Ladies and gentlemen, we now come to the final part of this year's Prix de Lausanne, and it's the part you've all been waiting for, the announcement of this year's winners. Souvenez-vous cependant que de simplement participer au prix est un succès en soi. 165 candidats s'étaient inscrits à l'épreuve de sélection par vidéo. 74 d'entre eux ont participé aux sélections ici à Lausanne. Nous leur adressons toutes nos félicitations. I'd also like to pay tribute to the many people behind the scenes who contribute so much to the success of this competition. Teachers, coaches, musicians, committee members, volunteers. Please, some of them are on the stage. Please join me in thanking all of them for their tremendous work. Chaque année, le Prix de Lausanne bénéficie de la contribution bénévole de 9 membres du jury, venant tous du monde international de la danse. Il s'agit cette année de Karen Kane, directrice artistique du Ballet National du Canada, Toronto. Kimmy Lauwen, the artistic director of the Antwerp Royal Ballet School in Belgium. Elisabeth Platel, étoile du Ballet de l'Opéra de Paris, directrice de l'École du Ballet de l'Opéra France. The director from 1974 to 2006 of the Scala di Milano Ballet School in Italy, Anna Maria Prina. Gen Horiucci, directeur artistique du Ballet de Saint-Louis aux États-Unis, lauréat du Prix de Lausanne en 1980. The ballet director of the Bavarian State Ballet, Munich, Germany, Ivan Liska. Matt Skou, directeur artistique de 2001 à 2005 de l'English National Ballet à Londres, Angleterre. Principal dancer with Les Ballets de Monte Carlo in Monaco, a Prix de Lausanne prize winner in 1993, Asia Uriagerica. Et finalement, le président du jury 2008, John Neumeier, directeur général et artistique du Ballet de Hambourg, Allemagne. So now to start the prize-giving ceremony, it gives me great pleasure to hand you over to the president of the Prix de Lausanne Board of Trustees, Monsieur Charles Gebhardt. Ladies and gentlemen, in just a moment we will award the prizes. But before that, there is one more person who must this year in particular be singled out. Mavis Staines took over the presidency of the Artistic Committee in 2001. In the 7 years of her tenure, her vision, determination, and extraordinary commitment to the Prix de Lausanne have combined to shape an event against which all other competitions worldwide must now be measured. Mavis, your achievements here are your enduring legacy to the world of dance, and we all, with the greatest of respect, salute you. Thank you.
Thank you very much. Nous savions qu'il serait difficile de trouver un successeur à Mavis Staines, qui a favorisé une véritable éclosion du prix de Lausanne par son travail remarquable des 7 dernières années, mais je suis ravi que nous ayons pu nommer une personne qui saura conduire le prix de Lausanne à son prochain stade de développement. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter le nouveau président artistique du prix de Lausanne, Wim Brooks. Je voudrais remercier nos sponsors, mécènes et donateurs. C'est grâce à eux que nous nous sommes réunis ici aujourd'hui. Ce n'est que justice que de leur témoigner notre reconnaissance. Je voudrais citer ici la Loterie Romande, la Ville de Lausanne, la Fondation Lennartz, deux donateurs anonymes, le Beau Rivage Palace, la Fondation Nestlé-Bourlard, Advec Management SA, la Banque Julius Baer, la Fondation Pittet, la Fondation Artefila, Beaulieu Exploitation SA, le canton de Vaud, la Oak Foundation et Pops SA, ainsi que de nombreux donateurs dont la liste est trop longue pour être citée ici. Et maintenant, la distribution des prix si attendue. Mesdames et messieurs, cher public et chers téléspectateurs, évidemment, vous êtes très impatients de connaître les résultats et nous allons commencer par un prix qui vous tient certainement très à cœur en particulier puisque c'est vous qui l'avez attribué. Et les votes ont déterminé que vous avez décidé d'attribuer le prix du public à une élève de la Hiromi Takahashi Ballet Studio à Tokyo, Akane Takada. Et il y a un prix qui, depuis de nombreuses années, n'avait plus été décerné, mais grâce au fait que cette jeune fille est parvenue en finale aujourd'hui, nous avons le plaisir de remettre le prix de la meilleure candidate étant formée en Suisse à mademoiselle Gosde Özgür qui travaille à Zurich. Ce prix était offert par la Fondation Lennartz, ce qui fait beaucoup pour les artistes en Suisse. Le prochain prix que nous allons attribuer, c'est une bourse et c'est l'une des 7 bourses qui vont être distribuées ce soir. La bourse numéro 7 est offerte par un donateur anonyme et elle est attribuée ce soir à une élève du Conservatorio Brasileiro de Danza à Rio de Janeiro. Il s'agit de Marcela de Paiva. La bourse numéro 6 est également attribuée à quelqu'un qui vient du Brésil. Elle est offerte par la Fondation Pittet et elle est décernée à un candidat qui vient du Centro de Danza à Rio, M. Irlan Silva.